Madame, monsieur, bonsoir. Prêt pour la chasse au trésor? Oui. En hélicoptère. Nous allons y partir tout de suite. Vous connaissez la règle du jeu, je ne la rappelle pas. Tout de suite, nous allons voir où nous allons aujourd'hui. Nous allons sur le continent africain. Tout à fait dans l'autre hémisphère, puisque nous allons en dessous de l'équateur, en dessous des Grands Lacs, dans un pays au climat extraordinairement tempéré pour la région. Il s'agit du Zimbabwe, qui s'appelait il n'y a pas si longtemps encore la Rhodésie. Là-bas se trouve donc Philippe de Dieuleveux et l'hélicoptère, à quelques centaines de kilomètres, je crois, au sud de Salisbury, la capitale. Vous êtes dans une région de haut plateau, vous devez vous trouver, Philippe de Dieuleveux, sur une petite île au sud du lac Kyle ou Kiel. Philippe de Dieuleveux. Oui, bonjour Paris, bonjour Philippe Gildas. En effet, je suis au Zimbabwe, le plus jeune état indépendant d'Afrique, et je suis plus exactement à Kiel Recreational Park. Kiel Recreational Park, en plus, je suis au sud, à la péninsule Rhino, à la Rhino Bay, qui est donc ici devant vous. Je n'ai malheureusement pu trouver des rhinocéros pour vous les présenter, je l'aurais fait avec plaisir. Malheureusement, ils n'ont pas voulu venir me voir. L'hélicoptère ici au Zimbabwe est assez difficile à trouver puisqu'il n'y en a pas, ce sont tous des hélicoptères militaires. Nous avons donc été obligés de faire venir notre ami Peter Scorry d'Afrique du Sud, de Johannesburg, 1000 km pour venir nous voir. Merci. Je vous présente maintenant Bruno Delabre, notre spécialiste vidéo, et je vais vous présenter Jean-Yves Leménaire. Je vais pour cela prendre sa caméra. Le voici, Jean-Yves Leménaire. Chers candidats, je m'adresse à vous. Encore une fois, 45 minutes pour trouver le trésor. 45 minutes, ce n'est pas beaucoup. Mais ici, dans un terrain comme celui-ci, avec les nuages qui menacent un petit peu, il faudra se dépêcher. Alors je vous laisse la parole tout de suite pour l'énigme. À vous, Paris. Alors nous allons faire, nous aussi, les présentations. Très rapidement, madame. Bernadette Dardenne. Bernadette Dardenne, vous venez de... De Charleroi. C'est-à-dire, vous êtes belge. Oui. Des enfants? On attend le deuxième. Une petite deuxième. Fille de 2 ans, Marie. Voilà. Et monsieur? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Bernadette et Jean-Pierre. Dardenne. Oui. Dardenne. Vous faites quoi? Je suis avocat au barreau de Charleroi. Avocat. Et madame travaille? Je en ce moment peut-être arrêtée, mais... Je suis mère au foyer aussi, habituellement, partie du temps. Habituellement assistante. Hein. Alors, Bernadette et Jean-Paul, c'est ça? Jean-Pierre. Jean-Pierre, pardon. Vous savez que pour cette chasse au trésor, les producteurs imaginent toujours avoir trouvé un message. Ils ont préparé à votre intention exclusivement une énigme. Je ne suis pas plus au courant que Philippe de Dieuleveux. C'est-à-dire que j'essaierai de vous aider dans la mesure des moyens aussi. Mais je vais découvrir cette énigme en même temps que vous. Vous savez qu'il est très important dans cette chasse au trésor que vous gardiez bien le texte sous les yeux, que vous le relisiez. Généralement jusqu'au bout, car tous les mots comptent. Voici, nous allons le lire ensemble, ce texte. Au Zimbabwe donc, c'est en regardant le drapeau national que je pensais, moi aussi, à simuler une découverte. Je n'avais que l'embarras du choix quant au lieu de l'exhumation. Je choisis de le cacher dans le mur, au pied d'une tour conique, à 16 pieds de l'endroit où fut trouvé l'original. Malheureusement, je n'ai pu réunir les témoins qui m'auraient vu procéder à la trouvaille. Il doit y être toujours. Et c'est signé, ou plutôt c'est daté, Zimbabwe, août 1980. Je crois que nous allons le relire une deuxième fois, un peu plus vite. C'est en regardant le drapeau national que je pensais, moi aussi, à simuler une découverte. Je n'avais que l'embarras du choix quant au lieu de l'exhumation. Je choisis de le cacher dans le mur, au pied d'une tour conique, à 16 pieds de l'endroit où fut trouvé l'original. Malheureusement, je n'ai pu réunir les témoins qui m'auraient vu procéder à la trouvaille. Il doit y être toujours. Un objet. Eh bien, chers candidats, je vous rachète cet objet, comme le veut la règle de notre jeu, pour une somme de 30 000 nouveaux francs français, ou bien, si vous préférez pour vous, 205 000, environ 205 000 francs belges, ou bien 11 500 francs suisses, ou 7 700 dollars canadiens. À la condition qu'avec l'aide de Philippe de Dieuleveux, de son équipe et de l'hélicoptère, vous ayez retrouvé cet objet avant 45 minutes. Je vous dis tout de suite, la réponse est là.
Dans 45 minutes, vous entendrez le gong. Si vous n'avez pas trouvé, si nous n'avons pas trouvé, alors j'ouvrirai et nous aurons la réponse là. Mais malheureusement, vous aurez perdu les 30 000 francs ou les 205 000 francs belges. Philippe, vous m'entendez? Oui, Paris. Eh bien, nous sommes prêts à décoller. Nous... Attention, dans 2 secondes, je vais vous donner le top. Attention. Top. Reçu. 45 minutes. Voyons par quoi commencer. Cherchons peut-être ce qu'est l'objet, oui. À partir du drapeau. Disons, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais puisque c'est en août 80, le Zimbabwe a eu son indépendance. Il faudrait que Dieu le veut vous entendre, oui. Donc nous parlons le plus fort possible. D'accord. Et je retranscrirai brièvement vos consignes. Je vous rappelle qu'il est ici. Ici, d'accord. De la presqu'île de Rhinobay. Est-ce qu'il pourrait prendre le vol et attendre un peu Dieu le veut, oui. Vous décollez. Absolument, je viens de décoller, Philippe Gildas. Je suis actuellement donc au-dessus de la baie des Rhinos et j'attends vos ordres pour aller à l'endroit que vous m'indiquerez. On essaye de découvrir un peu le drapeau national pour savoir l'objet ou vraisemblablement ce qui a suscité... Je vous en prie. ...stimulé en tout cas la découverte. Zimbabwe, l'année de la paix. Il faut que nous essayions d'envoyer l'hélicoptère assez vite, oui, vers un lieu. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est lui demander de trouver un drapeau, lui. Oui, c'est ce que j'allais proposer. Dieu le veut. Oui. Est-ce que vous pourriez, auprès d'un habitant, trouver un drapeau? Compris. Je viens de traverser la Rhinobay, j'arrive sur le côté opposé, donc, sur la rive opposée, il y a un bâtiment. Moi, je ne vous cache pas que je suis à la recherche d'entrée d'un drapeau. C'est ce que nous demandons, trouver le drapeau, d'abord. On va essayer de trouver. Il n'y en a pas ici. Il y a par contre des baigneurs, mais pas de... Zimbabwe flag. Vous pouvez peut-être relire votre texte pendant ce temps, oui. Le temps que donc, Dieu le veut cherche. C'est en regardant le drapeau national que je pensais, moi aussi, à simuler une découverte. Je n'avais que l'embarras du choix quant au lieu de l'exhumation. Je choisis de le cacher dans le mur au pied d'une tour conique à 16 pieds de l'endroit où fut trouvé l'original. 3 minutes. Malheureusement, je n'ai pu réunir les témoins qui m'auraient vu procéder à la trouvaille. Il doit y être toujours. Dieu le veut, avez-vous un drapeau? Oui, Paris, je suis actuellement à la recherche d'un drapeau zimbabwéen. Donc je suis en train de longer le lac. Là, actuellement, je survole la terre et à la recherche donc d'un bâtiment, disons administratif, sur lequel je pourrais apercevoir un drapeau zimbabwéen. Je vous rappellerai. Oui, le secret donc se trouve... On suppose qu'en tout cas le drapeau pourra nous aider à découvrir l'objet qui est caché. Oui, Dieu le veut, quand vous voulez. Presque 4 minutes. Pour l'instant, Dieu le veut, cherche sur la côte sud du lac un drapeau, mais il faudrait que... diriger vers une région la plus habitée possible. Vous ne pouvez pas lui demander 2 choses en même temps. Oui, oui pour l'instant, je suppose qu'il cherche des habitants pour trouver le drapeau, mais ensuite, vers quoi? Une région habitée, effectivement. Mais, oui, bon. Dieu le veut, auprès de qui cherchez-vous le drapeau? Auprès de qui? La liaison est assez difficile. Je n'avais que l'embarras du choix quant au lieu de l'exhumation. Donc il simulait une découverte. Une tour conique. Donc là où il y a Water Tower, une tour, tout à fait en haut de la carte. Mais qu'est-ce qui a dit qu'elle est conique, hein? J'en sais rien.
Pour l'instant, il est sur la côte sud, de toute façon, quelque part sur cette côte. On ne sait pas exactement. Bon. Non, ce qui frappe aussi, c'est que... Je tombe sur une tour conique, par hasard, à retenir. Oui, à retenir. Là, on n'a pas, toujours pas le drapeau. Qui se trouverait où? Qui se trouverait... Oui, d'accord. C'est en anglais. C'est en anglais. Je ne sais pas si vous connaissez plus que nous l'anglais. Essayez déjà de lire. En tout cas, on dit que c'est une tour conique, Jean-Pierre. Dans un enclos sacré, vraisemblablement, qui a été construit dans le même temps que... Dieu le veut, doit toujours chercher pour l'instant un drapeau. Donc, il est certainement dans un endroit habité. Est-ce que nous lui demanderons en même temps, si vous le voulez, si ces gens connaissent une tour conique? Oui, mais il risque toujours d'en avoir beaucoup. Mais il y en a beaucoup, oui, c'est pas... Nous avons passé les 5 minutes... Presque 6. C'est donc un monsieur qui, tout récemment, a voulu faire croire qu'il avait fait une découverte. L'hélicoptère n'a toujours pas trouvé. Pour l'instant, non, il doit courir à pied. Il a autre chose à faire que de nous parler, j'imagine. Oui. La tour conique se trouverait dans... La Great Enclosure, qui se trouve elle-même. Dans la vallée haute. De Upper Valley. Oui, la haute vallée, mais... Oui, Dieu le veut. Dieu le veut quand vous voulez. Montrez-moi votre texte en anglais pendant ce temps. Voilà, c'est dans le chapitre sur la haute vallée. La haute vallée, oui. Dieu le veut. Red Ruins. Oui, nous vous écoutons. Voilà, de cour conique. On la retrouve ici. C'est dans les ruines du Zimbabwe, vraisemblablement. Voilà, le conical tower, we think the great enclosure. Il faudrait être vraisemblablement. 7 minutes. On va être sûr avant de les envoyer là-bas. Et on ne sait toujours pas ce qu'on cherche. Dieu le veut, alors, ce drapeau. Eh bien, nous venons juste d'atterrir, et avec Bruno et Jean-Yves, nous allons à nous diriger vers le drapeau zimbabwéen que je viens de voir. Je me trouve exactement, disons, au nord-ouest de la baie des Rhinos, exactement à Center Office. Can I see the flag, the Zimbabwe flag? Ok, thank you. Nous y allons au petit pas de course. Et je vais essayer de vous décrire le drapeau du Zimbabwe, qui m'a l'air, vu d'ici, très très coloré. Il n'y a pas de vent, c'est bien qu'il tombe. Alors, au point de vue couleur du vert, du jaune, du rouge, une bande noire centrale, du rouge, du jaune et du vert, donc symétrique. Mais il semble, il n'y a pas de vent. Can you down the flag, please? Because I must see them. Je vais demander à cet ami zimbabwéen de descendre le drapeau de façon à ce que je puisse voir comment il est fait exactement. Excusez-moi, ce n'est pas l'heure de descendre les couleurs. Voilà. Thank you very much. Je le montre à Jean-Yves. Alors, voilà, je vois donc les couleurs que je vous ai décrites, plus donc un triangle pointe en avant, avec un oiseau, un aigle, enfin une sorte d'oiseau un petit peu comme les dessinaient les Égyptiens, si vous voulez, sur une étoile à 5 branches. L'étoile est rouge. Voilà, je pense que Jean-Yves a bien pris le plan. Voilà, thank you very much. Et maintenant, si vous voulez, je vais remonter dans l'hélicoptère. Donc je répète, un drapeau de différentes couleurs avec... disons au centre, une étoile rouge à 5 branches et un oiseau dessiné dessus. Un oiseau qui ressemble, si vous voulez, aux oiseaux égyptiens, comme on peut voir dans les hiéroglyphes, dans les astérix, si vous voulez. Bien compris, bien compris. Décoller. Alors. En regardant ce drapeau, donc. En regardant ce drapeau. Si vous voulez une découverte.
Tout est effectivement dans ce drapeau. Oui. Maintenant, il faut choisir soit l'oiseau, soit l'étoile. Ensuite, le lieu d'exhumation, on ne le connaît pas. Non, en revanche, ce qu'on connaît, le point suivant, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est là. C'est où on le cachait. Donc, c'est une tour conique. Tour conique. Est-ce qu'on prend le pari alors que ça fait 10 minutes d'aller à la tour conique que vous avez trouvée? Qui se trouve, elle On ne sait pas encore. Oui. Ça, c'était dans les vallées du Zimbabwe. À qui se trouvait? Dans les vallées du Zimbabwe. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est vous qui pilotez. Il faut le dire, adieu le vœu. Oui, mais en attendant, l'hélicoptère reste au-dessus du lac. Oui, il veut bien attendre. Dieu le veut, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je viens donc de décoller et de saluer les Zimbabwéens qui s'étaient réunis autour de l'hélicoptère. Alors, où voulez-vous que je me rende maintenant? En longeant les rives du lac, est-ce que vous pourriez voir une tour conique? Une tour conique vue de là-haut, regardez. D'accord, je suis pour l'instant, si vous voulez, sur la rive nord. Voulez-vous que je reste sur cette rive nord ou que je passe sur la rive sud? Il y a tout à fait au nord Water Tower, mais je ne sais pas. Jean-Pierre. Ça me paraît. Dans la mesure où tantôt, on disait que c'était dans un site ancien, je pensais plutôt, moi. Vous voulez aller dans ces ruines du Zimbabwe. Alors, Dieu le veut. Oui. Tout en regardant une tour conique, descendez vers les ruines du Zimbabwe. D'accord, je cherche donc les ruines du Zimbabwe. Oui. Elles sont direction sud-ouest. Parce que nous sommes là, nous avons, regardez, nous sommes donc à peu près ici, si j'ai bien compris, ils étaient au nord-ouest de Rhino Bay. Hein, donc ils devaient être sans doute dans ces maisons. Alors nous l'envoyons ici. Hein. Oui. Vous êtes d'accord, on quitte le lac. Oui. Ça nous fait tout de même une, en gros. Ça, c'est à peu près à la même distance que la Water Tower. Oui, ça nous fait à peu près. Je pense que la tour se trouverait dans la Sacred. Pratiquement 10 km. Et qui se trouve où elle? Qui se trouve dans la Great Enclosure qui est plus grande. Bon, la Great. Okay, il faut la situer à ce moment-là. Il faut situer ça dans quelque chose de plus. Philippe Gilbert. Oui. Dites-moi, les ruines que je dois trouver, est-ce que parmi les livres que vous avez, est-ce qu'elles sont dessinées, est-ce qu'elles sont représentées? Un moment. Vous avez entendu la question, il faut l'écouter. Hein. Il est à la fois vos yeux et vos jambes. Oui. Est-ce que vous avez une représentation, demande-t-il, de ces ruines dans un de vos livres? Il y a effectivement la tour conique. Et en plus, on parle d'un enclos, d'un grand enclos. Ah, peut-être. Donc, voilà la vue du plan. Donc, tour serait là. Normalement, il doit voir un grand enclos et un plateau avec des ruines. Oui, mais il n'y est pas encore. Il demandait. Non, d'accord. Philippe. Oui, j'ai en effet sur ma carte, donc à l'ouest, j'ai en effet. Disons, Great Zimbabwe Ruins National Monument. Alors, je m'y porte le plus vite possible. Nous roulons donc le plus vite possible vers ces ruines. Ouest-sud-ouest, hein? Exactement, Philippe Gilbert. Alors, ça ressemble, d'après les plans que nous avons, à une grande enceinte. Une grande enceinte. Oui. Avec beaucoup de ruines à l'intérieur. D'accord. Il y aurait un plateau de ruines et puis au sud une enceinte avec d'autres ruines. Sur le lac encore? Non, je viens de sortir du lac et disons que je suis rentré sur la terre et je me dirige vers ces ruines. Donc le pilote va vraisemblablement ne pas tarder à arriver. Je crois que je vais bouger. Pour l'instant, je ne les ai pas encore vus. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que vous trouviez quelque chose d'assez détaillé, car il y a énormément de ruines. Pour l'instant, il est au-dessus de la Terre. Regarde la photo. Oui, c'est la photo. Le lac Lakarima, ici.
Il faudrait trouver vraiment une enceinte qui fait presque... Attendez, il y va. Hein. Laissez-lui le temps, l'hélicoptère va très vite, mais il lui faut quelques minutes. Mais qu'est-ce qu'il cherche ensuite dans cette enceinte? Vous savez où... La tour conique. Alors, dans cette enceinte, il y a encore une plus petite enceinte qui se trouve au sud-est. Dieu le veut, oui. Oui, je viens d'arriver, donc face à moi, il y avait, disons, une grosse montagne, enfin une montagne, une colline, et je viens de voir au-dessus de cette colline, disons, une enceinte avec de la terre rouge, avec, disons, à l'intérieur, une petite tour conique. Voulez-vous que je m'y pose, enfin, que j'essaye de m'y poser? Si vous pouvez vous poser, oui. Ok. Can you land to this place? 15 minutes. Oui, Paris, ça paraît. Il paraît difficile de se poser. Je vais survoler d'un peu plus près, mais il paraît difficile de se poser. Le pilote m'a fait signe qu'il était impossible pour lui. Philippe, nous ne voyons pas. Dites-nous ce que vous voyez. Alors, je vois une enceinte, disons, une grosse muraille qui doit faire à peu près 50 mètres de diamètre maximum, avec à l'intérieur une tour conique. Donc là, pour un hélicoptère, et le pilote vient de me confirmer, c'est impossible de se poser. Et je ne vois pas d'autres endroits sur lesquels je pourrais aller. Même, je peux me poser dans un champ autour, mais après, il me faudra très longtemps pour monter. Et en plus de ça, avec cette chaleur, je ne sais pas combien de temps je pourrais mettre avec Bruno et Jean-Yves. Paris. Oui. Je veux bien. Vous savez que depuis le début de toutes ces émissions, j'ai une corde avec moi. Moi, je peux essayer de descendre l'hélicoptère si le pilote est d'accord. Ah, si vous voulez. Alors, je résume pour Jean-Pierre et Bernadette. Il ne peut pas se poser, l'hélicoptère. Hein. Mais il vous propose de descendre de l'hélicoptère, laisser l'hélicoptère en l'air et de descendre au bout de sa corde avec son caméraman. Vous êtes d'accord? Oui. Ça veut dire quand même qu'ensuite, on prend le risque, si ça n'est pas là, qu'il ne puisse pas remonter. Nous prenons le risque? Oui. Allez, oui. Alors, d'accord pour descendre, Dieu le veut, d'accord. Je m'équipe, je pense en avoir pour quelques minutes. J'ai le harnais et j'ai un petit équipement de spéléologue, donc il permettra de descendre le long de l'hélicoptère. Je m'équipe. Bon, alors, en supposant que ce soit donc cette tour conique... Je reprendrai maintenant l'élément à 16 pieds de l'endroit où se trouvait l'original. Donc à 16 pieds de cette tour conique, il faudrait trouver quelque chose qui fait penser à l'objet. Mais c'est quoi l'original? Alors là, on est ramené au drapeau. Il faut essayer de retrouver ce qu'on a trouvé dans la documentation qu'on a, ce qu'on a pu trouver là-bas. Là, nous l'avons, la tour conique, hein, vous la voyez? On la voit ici, oui. Bon, on parle de... C'est en regardant le drapeau national que je pensais, moi aussi, à simuler une découverte. Je n'avais que l'embarras du choix quant au lieu de l'exhumation. Exhumation, l'endroit où j'étais censé de retirer quelque chose. C'est ça, oui. Je choisis de le cacher dans le mur, au pied d'une tour conique, à 16 pieds. On pourrait peut-être traduire 16 pieds. Oui. Un dictionnaire, c'est plus large. Je suis en train de mettre mon harnais. Disons que j'essaie de prendre le mec de 20 ans. Ça m'a envie parce que je n'ai pas fait mon envie. Je pourrais trouver en bas des rochers. Bien sûr. Et je dois vous avouer que c'est la première fois que je vais descendre d'un hélicoptère de cette manière. Je ne vous cacherai pas que cela m'amuse. Et comme c'est un jeu, il faut en profiter. Alors je prends ma corde. I can put my rope here. Je vais mettre ma corde au montant ici, le pilote m'assure que c'est solide. On verra bien que je ne me trompe pas. Voilà. Philippe, 19 minutes. On parle d'oiseau ici. Bon, on voit un oiseau ici, une photo d'oiseau. Bon, c'est aussi en anglais. Et pourquoi l'oiseau? Pour le drapeau. Le drapeau. L'oiseau du drapeau. Donc, en regardant l'oiseau. Ici, sur ces ruines, il y aurait aussi un oiseau. Dans ces ruines, en tout cas. C'est la représentation que vous avez là. Oui, ça a l'air d'un... Il faudrait voir si la distance correspond aux 16 pieds dont on parle dans l'énigme. La distance entre quoi et quoi? Entre l'oiseau et la tour conique. La distance entre l'oiseau et la tour conique. Puisque le pied de la tour conique est à 16 pieds de... Oui, Paris, oui, Philippe, Paris vous écoute. Oui, je viens de lancer ma corde, voilà. Non, elle n'est pas encore délovée entièrement. Il y a un nœud, donc je la remonte, de façon à défaire ce nœud.
car je ne voudrais pas rester coincé. Pendant qu'il descend, il vous a dit quand même qu'il risque de descendre assez loin peut-être de la tour. Il faudrait peut-être trouver d'autres explications. Bon, un pied fait 3 centimètres. Oui. Oui, ça fait 5 mètres, quoi. 5 bons mètres. Je mets le descendeur. Et voilà. Je le raccroche au harnais. On pourrait peut-être trouver une explication, chercher une explication sur l'histoire de cet oiseau. Je vais partir pour le gros plongeon, là. Hein? Qui s'appelle... Bon. 20 minutes. Alors, j'y vais. Zimbabwe. Je me lance, hein. Adieu. Oui, nous aussi. Nous aussi. Car le retour sera sans doute impossible. Dès que vous avez le pied par terre, vous dites. Oui, je n'ai pas encore le pied par terre. L'hélicoptère doit être à peu près à 30 mètres au-dessus de moi. Voilà, je touche le rocher. Ok, je vais maintenant me débarrasser. Et je demandais à Jean-Yves et à... Comment dirais-je, à Bruno, de remonter, voilà. Jean-Yves, c'était pour monter la corde, de façon à ce que l'hélicoptère puisse me reprendre plus bas. Vous devriez chercher quand même, okay. Dans... il y a sûrement des guides en français parce que vous ne parlez pas anglais, moi non plus, on le lit mais difficilement. Non. Il y a sûrement des guides dans lesquels vous avez toute l'histoire parce qu'il faudrait trouver l'histoire de cet oiseau quand même. Puisque vous vous accrochez à juste titre, semble-t-il, à l'oiseau. Philippe, oui. Oui, je suis complètement dans les broussailles, là je descends des... L'hélicoptère, bien sûr, m'a perdu de vue, j'espère le retrouver donc au-dessus des ruines. Alors, Philippe, il faudrait vous approcher de la tour conique. D'accord. Et nous dire quand vous y serez. Vous êtes toujours dans l'anglais quand même, là. Mais vous devriez chercher... Que... Oui, je veux bien, mais alors il faut que vous le traduisiez parce qu'il faut l'aider maintenant. Oui, il faut l'aider. Hein. Il faut vraiment l'aider. Il faut lui donner un sens parce que ça n'en a pas beaucoup. Non. Bon, oui, à 5 mètres autour de la... Dès qu'il sera à la tour conique, il va nous le dire. Vous êtes sûr, quel guide français, là, c'est français. Une découverte hein. C'est importante à noir, être oui. Fait. Allez-y, allez-y, okay. Cherchez dans celui-là. Oui. Cherchez Zimbabwe. Zimbabwe 383. Oui. Je viens de trouver un passage qui va m'amener donc aux ruines. Je pense que l'hélicoptère... Voilà. Vous nous... Je suis toujours. Je vais essayer de me mettre sur un toit haut pour le... lui faire signe. Ah oui, le voilà. Philippe, est-ce que vous voyez la tour conique? Alors pour l'instant, je suis au milieu de ces ruines. Je vais peut-être demander à Jean-Yves de me... Est-ce qu'il m'entend dans son cap? Peux-tu me désigner la tour conique? Ah là, oui, ok. Philippe, oui? Nous cherchons près de la tour conique un oiseau sur un piédestal. L'endroit où il était découvert. Écoutez, je suis en train de courir dans un labyrinthe. Voilà, j'aperçois donc la tour conique que je vous avais partiellement décrite tout à l'heure. J'y arrive. Vous êtes à la tour? Voilà, j'y suis. Alors, je cherche. Je vais d'abord demander de faire un petit journal, si vous voulez bien. Et je cherche un oiseau. Dieu le veut. Oui, je vous entends. Vous êtes à la tour. Oui. Je cherche. Elle est partiellement détruite, cette tour. Oui. L'oiseau, puisque c'est à 16 d'abord, pieds. Il faut trouver l'endroit où l'origine est. J'ai pas savoir le tour, mais qui ne. Alors, Paris. Oui. Paris, où se trouverait l'oiseau? À combien de pieds de la tour?
À 16 pieds, donc ça fait 5 mètres. Pieds. Combien de mètres? 5. À 5 mètres. 5 mètres, oh, d'accord. Dans le mur. Oui. Au pied d'une tour, mais à 5 mètres, non pas de la tour, mais de l'endroit où fut trouvé l'original. Mais quel original? Alors là, je ne sais pas du tout où est l'original. Et nous non plus, on ne sait pas quel est l'original. Comment? Je dis qu'on ne sait pas. Moi, je crois que, Philippe, je crois que nous allons vous demander de regarder s'il y a des choses étonnantes autour de la tour. Et nous cherchons l'explication 2 secondes. Il faudrait trouver le sens de l'oiseau. Il y a une personne qui doit être touriste. Je peux se demander si elle sait où se trouve l'original. Non mais, voilà, oh, voilà. Est-ce qu'il y a... Philippe, il faudrait demander à ce monsieur l'explication de l'oiseau. Car apparemment, l'original, c'est l'oiseau. D'accord. Excuse me, you speak English? Or French? No, English. Yes, you speak only English, right. Do you know... Where is the original bird of Zimbabwe, you know? Zimbabwe, on the flag of Zimbabwe, you can see a bird, you see? And do you know where is the original bird? The original bird? Yes. Of Zimbabwe? Zimbabwe, yes. No, I don't. You don't know? No. Ah, it's a pity. Bon, écoutez, cette personne ne sait pas où se trouve l'original, l'oiseau original du Zimbabwe, alors je pense que... Philippe, voilà, Jean-Pierre vient de trouver une explication. L'oiseau, qui apparemment est l'emblème national du drapeau, et j'ajoute, qui a donné, semble-t-il, le nom au pays. Rhodésie, c'est devenu Zimbabwe, c'est récent. Eh bien, cet oiseau symbole a bien été trouvé dans ce parc où vous êtes. Mais il faudrait maintenant... trouver des gens dans le parc qui puissent vous dire où a été trouvé l'original, où a été trouvée la statue de l'oiseau. Vous comprenez? Oh, Zimbabwe, yeah? Oh, finish, very good. Okay. Not yet, but you are born in Zimbabwe? No. No, okay. Do you know where is the Zimbabwe? Do you know where we can find the original Zimbabwe in this park? Oh, sorry, I don't speak very good English. I stay here... What kind of language do you speak? German. German, only German, no French? Oh, no. Écoutez, je ne voudrais pas perdre trop de temps parce que... Excuse me, thank you. Je ne voudrais pas perdre trop de temps. Cette personne parle l'allemand, ne parle pas l'anglais. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais sûrement pas lui poser des questions et je n'aurai sûrement pas les réponses. Oui, Philippe, 28 minutes écoulées, 28 minutes presque. Est-ce que vous avez la possibilité de trouver d'autres personnes? Écoutez... Il y a une autre personne là-haut? Oui, je vais essayer de monter. Il y a une autre personne là qui est torse nu. Je vais essayer de le rejoindre. Il faut aller demander à cette personne où oui. a été trouvé l'oiseau. Ok. Mais à mon avis, vous, Jean-Paul, Jean-Pierre, pardon, ou Bernadette, vous avez une chance de le trouver dans ces livres. Vous avez le mystère rhodésien qui explique tout sur Zimbabwe, apparemment. Allez, voilà, le mystère. Okay. You speak French, no? No, not yet. Speak French. You know the bird of Zimbabwe? Yes. Yeah. The bird of Zimbabwe. The bird? Yes. You can see on the flag of Zimbabwe. You know the bird? Yeah, that's right. Do you know where was found this bird? Do you know where it's found? Yeah, it was found around here. Is this wounds? Yeah, that's what I said. Yeah. That's what people told me. Where? That's what people told me. There was just when I came up here. There was just a man going down there. He's actually an audition, and he said they found this bird, and it doesn't look, you know, they think this bird can't be from here, can't be from Rhodesia. Okay, they but you, from overseas. Okay, you think that there is another bird in this place? You think that there are other birds, not here? Oui. Oui, je le veux. Oui, je vous écoute. Non, que vous a dit ce monsieur? En effet, qu'ici, il a été trouvé des oiseaux de Zimbabwe. Mais c'est tout ce que je sais. Il ne sait pas exactement l'endroit où ces oiseaux ont été trouvés. Dites, Philippe, il y a un musée. Il y a un musée dans ce parc. Il y a un musée dans ce parc. Je n'ai pas compris. À quoi? Il y a un musée.
Un musée. Alors, oui, d'accord. Voulez-vous que j'aille le voir, bien sûr. Bien, okay. Oui, puisque nous ne pouvons pas trouver l'endroit où était l'oiseau sans que quelqu'un vous l'indique. D'accord. Alors, je vais redescendre, ok? Et vous me reprenez là-bas, là. Le musée, on peut peut-être montrer où il est. Vous voyez, le musée est ici. Je ne pense qu'il est allé du côté, qu'il a dû atterrir par ici. Ça lui fait donc quand même, c'est très vaste, hein. Ça fait presque plus de 3 km de large, hein, toutes ces ruines. 30 minutes. Il en reste 15. Écoutez, je redescends le plus vite possible à travers un escalier comme un véritable labyrinthe. Et j'espère que, qu'en bas, le plus tôt possible, notre ami Peter pourra se poser pour me récupérer. Je vois d'autres touristes qui arrivent, mais... Apparemment, c'est... Pas de temps à perdre, je crois que... C'est un endroit extraordinaire. Le plus tôt possible au musée. Et nous sommes les seuls à ne pas voir pour l'instant. Vous n'avez pas l'explication, là? Ah non, ils vous disent au départ que c'est effectivement un mystère et qu'on... Oui, non, mais pas pour l'oiseau, pour l'oiseau. Oui, mais c'est justement pour l'oiseau. 119. Sans dire où il a été trouvé. Et sur le plan que vous aviez tout à l'heure maintenant, madame, sur le plan que vous aviez tout à l'heure, il n'y avait pas l'endroit où l'oiseau était trouvé? Non, sur le plan, vous aviez un plan. Voilà, ici. Mais ne regardez peut-être pas tous les deux sur le même, cherchez l'explication. Pendant que Philippe va au musée, peut-être se faire reprendre par miracle par l'hélicoptère. Il s'agit donc, hein, je résume, manifestement, la clé de l'énigme, c'est cet oiseau trouvé dans ce site de Zimbabwe et qui est aujourd'hui le symbole sur le drapeau. Donc, ça lui a donné l'idée de découvrir lui aussi quelque chose, de simuler donc une découverte. Et il a choisi apparemment ces ruines... Et il aurait placé son objet, il voudrait faire mine de découvrir cet objet, il voulait faire mine de découvrir cet objet à quelques 5 mètres, pas plus, de l'endroit où on a trouvé l'oiseau. Donc il faut impérativement... Trouver l'endroit de l'oiseau. Oui, Philippe. Oui, je viens de descendre tous ces escaliers, l'hélicoptère peut enfin se poser là, il va me récupérer et je vais aller au musée. Vous êtes à quel endroit? Écoutez, je vais d'abord reprendre la carte. Where is my map? Pardon. Do you know where is the musée? Ok. Vous me prêtez une seconde? Parce que je... Oui. Moi, je si on pouvait trouver l'endroit où on a trouvé l'oiseau... Bon, il n'y a pas d'autres livres qui parlent de l'oiseau? Ouais. Nous sommes dans la tradition. Nous avec un lexique ici. Philippe, vous parlez quand vous voulez. Okay. Ok, je viens donc de redémarrer avec l'hélicoptère pour aller direction le muséum. D'accord. Combien de temps? Regardez, il y a là, non pas le... Rien. Tous les oiseaux qu'il y avait là. Ah. Il y en a plusieurs. Alors c'est pas une photo, hein, c'est une reconstitution, mais on voit là des tas d'oiseaux perchés curieusement en haut de... Oui. Ok. C'est l'enclos rituel, oui. L'enclos rituel. Alors, vous étiez sur le 28 tout à l'heure, page 28 pour votre plan. Page 28. L'enclos rituel. Philippe. Il y a un monsieur qui s'avance vers nous, là. Philippe. Peut-être que il y a un monsieur qui s'avance vers nous, peut-être qu'il connaît l'emplacement de cet oiseau original. Je vais lui demander. Ok, please speak to us, sir. Do you know where is the original bird of Zimbabwe? It was found in near great enclosure. Where? It was found in near great enclosure. Where is great enclosure? Where is this place? This, come on with us. He can't come with us. He can't come with us. Yes. Okay. Okay, come on. Come on, come on. Oui, ce monsieur connaît un endroit. Paris. Oui, ce monsieur connaît un endroit. Alors je propose de le monter dans l'hélicoptère et nous allons décoller ensemble. Bien sûr, si vous pouvez le prendre dans l'hélicoptère. Okay. Philippe, demandez-lui
s'il connaît l'enclos rituel. S'il connaît l'enclos rituel. Ok, yes, we're fine. Ok, we go. Ok. Voilà. Le temple oriental de l'acropole dont la tradition fait le centre de Zimbabwe. Il est dans un état de ruine. Il est impossible d'imaginer l'aspect qu'avait celui au temps de sa gloire. C'est là qu'on peut trouver les fameuses statues d'oiseaux et de nombreux objets intéressants. Philippe ! Ceux qui sont Zimbabwe, bien voulu, venir avec nous et qui va nous montrer l'endroit. Philippe, vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Jean-Pierre vient de trouver un point capital. C'est dans le temple oriental de l'acropole. Oui. Dans le temple oriental de l'acropole. Qu'ont été trouvés les oiseaux. D'accord, mais écoutez pour l'instant, je suis dans une position qui ne me permet pas de regarder la carte, puisque je suis sur le patin de l'hélicoptère. 10 minutes. Alors, dès que nous serons posés, dès que nous serons posés à l'endroit, je reprendrai l'appareil. Pour l'instant, je préfère me concentrer. Alors, pendant qu'ils font route en vitesse donc vers l'endroit que ce monsieur connaît, je vous signale que je viens de trouver moi d'autres tours coniques apparemment, et notamment les entrées de l'acropole. À 16 pieds du temple de l'acropole, puisque c'est là qu'a été trouvé l'original. Il doit se trouver au centre. Il doit y avoir une tour conique. Il doit y avoir une tour conique dans les 5 mètres. À 16 pieds. Et là, de l'enclos royal. Mais l'enclos royal, c'est peut-être pas l'enclos rituel. Allez-y, allez-y, prenez-le. Oui. Nous avons donc une série de ruines et il y a un grand cercle là-bas, un grand édifice. Donc je vais me rapprocher le plus possible et je vais y aller avec Bruno et Jean-Yves. Non, Philippe, je vous répète, c'est dans l'acropole, c'est le temple oriental, le temple est donc de l'acropole. C'est Acropole. Oui. L'acropole. L'acropole doit être sur le fameux plateau ou à la sortie du plateau. D'accord, nous allons y aller. L'hélicoptère va se poser. Et apparemment, c'est le centre de toutes ces ruines. D'accord, voilà, nous sommes posés. Can you see me the way, please? Ok. Alors, à 5 mètres de là, essayez de trouver une tour connue. Oui, de là, quand il aura trouvé l'endroit. Oui. Il y a en effet ici une multitude de ruines dispersées sur un grand champ vert et le monsieur me conduit gentiment vers l'endroit qu'il pense être bon où l'on a découvert donc l'original, l'oiseau original du Zimbabwe. 7 minutes, près de 8. C'est une... Oui. J'ai une tour conique ici. Alors maintenant, je ne sais pas. Elle est petite, la tour conique, Paris. Nous ne savons pas si la tour conique est petite. Ce qu'il faudrait vérifier avec votre guide, c'est l'endroit exact où a été trouvé le premier oiseau symbole. Ok. Do you know, c'est exactly place where... The first original symbol of Zimbabwe was found. The boat exactly placed. Do you know where it is? That is behind this conical tower. Just here. Just here at the bottom. Okay, le monsieur me dit oui. Que l'oiseau original de Zimbabwe a été trouvé là. Je le montre du doigt à Jean-Yves. Il a été trouvé ici. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay, this man is sure. Ce monsieur est donc sûr. Alors maintenant, il faut que je trouve... Dites-lui. Dites-lui. Tu dois trouver dans les 5 mètres de cet endroit-là une tour conique, ou tout le moins le pied d'une tour conique. Alors, il faudrait trouver une tour conique. Oui. Philippe, si vous m'entendez bien, il l'a caché dans le mur, au pied de la tour, à 5 pieds, un peu... pardon, à 5 mètres, un peu plus... de l'endroit où a été trouvé l'oiseau. 2, 3, 4, 5. Voilà, je viens de faire 5 mètres autour de cette colonne. 5 bons mètres. 5 mètres 30. D'accord. Bon, écoutez, je vais donc décrire un cercle avec un rayon de 5 mètres. Là, je tombe sur un mur. Il y a un trou à l'intérieur. Bien sûr, je cherche. Il reste 6 minutes. Combien de temps me reste-t-il,
Philippe. 6 minutes. Combien? 6, 2 fois 3. 2 fois 3. Bon, ici, il n'y a rien. Donc, je continue mon rayon de 5 mètres. Bon, là, il n'y a pas de mur. Là, il y a un autre mur. Un trou. Il n'y a rien. Le long de celui-là. Bon, non plus. Peut-être l'a-t-il enfoui assez profondément. Oui. Là, dans le mur. Dans le mur. À la base du mur. À la base du mur. À la base du mur. Paris. Dans le mur, Paris. Au pied. Pardon, dans le mur, Paris. Au pied. Paris. Oui. Ça y est, je l'ai. Vous l'avez. C'est un oiseau. Vous... Ah, c'est le grand oiseau. Philippe. L'oiseau, vous l'avez. C'est quoi? Oui. Philippe, nous ne voyons rien, oui. C'est quoi? J'ai pas entendu. Vous l'avez trouvé? Soit. C'est une fausse joie, non? Dieu le veut, vous l'avez trouvé? On a changé d'endroit, là, chez deux-là, de la friture. Et nous avions compris, je l'ai. Il reste 5 minutes, 4 minutes, pardon, 4. Paris, je suis donc ici avec ce monsieur et avec l'oiseau. Non, mais vous l'avez trouvé, l'oiseau? Mais oui, je l'ai trouvé! Eh oui, c'est ce que vous me demandez! Mais j'ai trouvé l'oiseau! Eh oui, mais on ne vous entend pas toujours très bien! Alors, il était où? Mais il était donc derrière! Voici donc le. On a passé une colonne, hein? Et une colonne était derrière ici, j'ai donc fait un rayon de 5 mètres, et j'ai trouvé ici, derrière ce mur, dans une anfractuosité du mur, l'oiseau ici du Zimbabwe. Et il ressemble en effet très nettement à celui qui est représenté sur le drapeau. Voilà, c'est une. Autrement dit, ce monsieur, ce faussaire, avait fait une copie d'oiseau rhodésien. Pardon? Ce monsieur avait fait une copie de plus pour faire croire qu'il avait trouvé un oiseau de plus. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, on ne s'entend pas toujours très bien, mais bravo, dites donc, il nous restait encore 4 minutes. On ne s'arrête pas, on s'arrête pas, on atterrit pas au musée, donc do you work in the museum? Ok, ce monsieur travaille au musée. Ah oui. Je crois que la bonne idée, c'était effectivement de trouver quelqu'un qui puisse vous indiquer l'endroit où on avait fait cette découverte extraordinaire. Alors Bernadette et Jean-Pierre vous disent un grand merci, et c'est dommage que vous ne voyez pas leur sourire, parce que ça a été une sacrée surprise que vous le trouviez finalement aussi vite, ça aurait pu être une autre tour. Alors, je vous dis d'abord, Bernadette et Jean-Pierre, outre bravo, le fait que vous avez quand même gagné et haut la main, c'est 30 000 francs français. Nous allons maintenant vérifier quand même, essayer de comprendre un peu plus, encore que je crois qu'on avait à peu près percé tout le secret. La réponse est là, mais vous avez gagné, c'est donc sans suspense pour vous, uniquement pour le plaisir de comprendre. Oh, le cachet de cire est solide. Alors, je préfère l'ouvrir quand on a trouvé auparavant, hein, c'est plus agréable. Apparemment, d'ailleurs, nous sommes au cœur de l'histoire de ce fameux Zimbabwe. On aura appris beaucoup de choses. Alors, d'abord un petit rappel historique, ce sera plus simple. Le Zimbabwe est un œuf, ça nous le savons tous. Il porte ce nom de Zimbabwe depuis le 18 avril 1980. Vous aviez dit dès le début, n'est-ce pas? C'est le jour où fut proclamée l'indépendance. Les nouveaux dirigeants de l'ex-Rhodésie s'inspirèrent du nom bantou d'étranges ruines découvertes au sud de Salisbury. Donc le nom de Zimbabwe vient bien de là. Ces vestiges sont parmi les plus vieux, mais aussi parmi les plus mystérieux d'Afrique, et c'est pour ces raisons que nous avons choisi d'y réaliser l'émission. Vous avez bien pris le livre depuis le début, le mystère rhodésien, mais ça n'a pas été simple. Le mystère de Zimbabwe passionne depuis longtemps les historiens, les archéologues et les chasseurs de trésors. Il a suscité des théories aussi nombreuses que variées. Certains ont vu dans ces gigantesques ruines un comptoir commercial phénicien, d'autres la capitale du roi Salomon, ou même la capitale de la reine de Saba. Alors, je me permets d'ajouter que la reine de Saba, tout de même, c'est le Yémen, hein, de l'autre côté de la mer Rouge, donc ça faisait un bout de chemin. Mais enfin, il est vrai que les Arabes, depuis très longtemps, trafiquaient dans cette région. Mais quelques preuves scientifiques, celles-là, en font une cité pacifique, habitée entre le XIIe et le XVe siècle, et commerçant avec les ports de la côte, puisque là, nous sommes vraiment à l'intérieur de la Rhodésie. De plus, personne n'a trouvé dans ces lieux baptisés par les premiers chercheurs acropole, grande enceinte ou vallée des ruines,
personne n'a trouvé la trace de richesses extraordinaires. La découverte la plus intéressante sur cette énigmatique civilisation étant celle des oiseaux en stéatite, et l'un d'eux est devenu l'emblème du Zimbabwe. Voilà pour l'explication générale, donc hein, le contexte. L'explication maintenant de l'énigme que vous avez si brillamment découvert avec Philippe de Dieuleveux. C'est en regardant, oui, moi je n'ai fait que suivre, hein, et faire le haut-parleur, parce que la liaison n'était pas toujours facile. Alors, l'explication. C'est en regardant le drapeau national que je pensais, moi aussi, à simuler une découverte. Or, c'est vrai, le nouveau drapeau national a inclus dans son dessin la représentation d'une statue d'oiseau trouvée dans les ruines Zimbabwe. L'auteur de l'énigme, comme d'autres escrocs, puisque c'en est un, décide d'en enfouir une copie et de tirer bénéfice de cette fausse découverte. Le texte. Je n'avais que l'embarras du choix quant au lieu de l'exhumation. Or, c'est vrai, il existe 9 spécimens d'oiseaux. Ils ont été trouvés dans l'acropole et dans la vallée des ruines. L'escroc pouvait donc hésiter quant au lieu où il allait cacher sa reproduction. Mais l'énigme nous disait, je choisis de le cacher dans le mur, au pied d'une tour conique, à 16 pieds de l'endroit où fut trouvé l'original. Là-dessus, vous êtes accroché à ce détail capital dès le début. Donc, il a choisi finalement un lieu proche de celui où fut trouvé l'oiseau, qui figure dans les armoiries nationales. C'est Richard Hall, on me le précise là, qui avait découvert ce premier oiseau en 1903, dans ce qu'il appela les ruines Phillips. Nous ne sommes pas allés jusqu'à ce détail, mais puisqu'il a trouvé ce monsieur du muséum qui lui a permis d'aller directement aux ruines Phillips, heureux d'apprendre maintenant que c'était les ruines Phillips. Le trésor se trouvait donc à 16 pieds de là, environ 5 mètres, on l'avait dit 5 mètres, 5 mètres 30. Ce message fut rédigé en août 80, donc environ 4 mois après l'apparition du nouveau drapeau national. C'est l'escroc, on revient au début de l'énigme, avait été inspiré pour son escroquerie par la vision de ce nouveau drapeau du Zimbabwe. Bien, j'ai rien d'autre à ajouter, vous aviez tout compris, tout trouvé. On peut seulement dire encore une fois, je crois, de votre part... À Philippe de Dieuleveux, un grand bravo parce que il a pris des risques. Pour vous, il a réussi une première. Il est descendu au bout de sa corde de son hélicoptère. Heureusement, ensuite, il a pu remonter. Je crois d'ailleurs qu'il s'était un peu précipité parce qu'il a dû descendre près des toutes premières ruines avant de se rendre compte que c'était aussi vaste. Et avec l'hélicoptère, il aurait pu aller directement de l'autre côté. Puisque ça s'est bien terminé, qu'il n'a pas perdu trop de temps, puisque vous avez gagné, puisque vous repartez avec, combien ai-je dit, 205 000 francs belges, non? Oui, c'est ça. C'est pas bien mal. Bien chanté, c'est pas mal. Ça vaut la peine de retourner à Charleroi. Oui, oui, oui. Dites donc, mais en fait, c'est un extraordinaire cadeau pour le petit ou la petite à venir. Ah oui. On peut savoir comment il ou elle s'appellera? Anou Mathieu. Anou Mathieu, avec ce cadeau par avance, donc de la chasse au trésor, des producteurs de la chasse au trésor. Cadeau de 205 000 francs belges. Encore une fois, bravo à vous. Et nous nous retrouverons, nous, j'espère avec autant de succès d'ailleurs, très bientôt pour une prochaine chasse au trésor.